des exercices fondamentaux de base avec la fonction exponentielle, nous allons voir deux calculs algébriques de développement d'identité remarquable avec les fonctions exponentielles. Mettez la vidéo sur pause si vous n'avez pas fait ces exercices et attendez de les faire complètement pour voir la suite et la correction. Dans le premier développement qu'on me demande d'effectuer, on reconnaît ici une identité remarquable, le carré de A plus B. Donc on peut la développer si on n'est encore pas très à l'aise avec les fonctions exponentielles. On peut développer de la sorte le carré de A plus 2 fois A fois B fois 1, c'est pas la peine de marquer, plus le carré de 1, 1. Il nous reste maintenant à simplifier cette écriture-là. L'exponentielle de moins x élevé au carré, cela est égal à l'exponentielle de moins 2x. Et le reste ne peut pas se simplifier. Il faut savoir, se rappeler du cours, que l'exponentielle de A à la puissance n est égal à exponentielle de A fois propriété de cours à connaître sur la fonction exponentielle. La deuxième identité remarquable va ressembler à la première. Donc on peut calculer exponentielle de x élevé au carré, si on a compris ce qu'on a fait tout à l'heure, et bien c'est directement exponentielle de 2x plus 2 fois A fois B plus exponentielle de moins x élevé au carré, donc exponentielle de moins 2x. Ici, on multiplie deux exponentielles et on sait que exponentielle de A multipliée par exponentielle de B est égale à exponentielle de A plus B. Ça, c'est une propriété fondamentale de l'exponentielle. Elle transforme des sommes en produits. Donc ici, on a un produit de deux exponentielles. Et bien, cela revient à écrire l'exponentielle de la somme de mes arguments. Et donc, ceci est égal à 2 fois exponentielle de x moins x, si on veut être prudent, ce qui va faire évidemment 0, auquel il faut rajouter exponentielle de moins 2x. Or, exponentielle de 0 est égale à 1, du coup cette expression est égale à exponentielle de 2x plus 2 plus exponentielle de moins 2x. Ce calcul est terminé.